Et je pars, et je randonne, et je marche. Entre Arlon et Virton, entre Lorraine et Gaume. Tiens, deux points précis de Belgique que je connais. J'y ai tellement d'images, tellement de moments, tellement de souvenirs qui remontent à 20 ou 30 ans. Plein de gens de par là, auxquels je pense encore. Et je me dis volontiers, et si le hasard me faisait tomber sur eux ? J'arrête les souvenirs là, car même si on emporte son passé avec soi, et même si le passé qu'on emporte est un peu le présent, ben, il est important que j'apprenne à ne pas en être prisonnier, tout en marchant sur ces belles routes, tout en randonnant par là, et en apprenant un peu, tel est mon travail peut-être, aborder ces régions qu'en fait je connais comme si c'était des régions nouvelles que je rencontrais pour la première fois, avec des gens du cru qui ont maintenant 20 ans, qui n'étaient probablement pas nés à l'époque où je m'égarais dans ces coins, déjà avec ma guitare et mes chansons.
et nous allons bientôt arriver devant la chapelle du Bon Lieu. Qui est située d'ailleurs sur un ermitage, enfin sur l'emplacement d'un ermitage qui daterait du XIe siècle. Faut dire que les habitants de Hête, un village pas loin de Virton, ayant pendant la Seconde Guerre mondiale échappé au massacre qui les avait frappés en 1914, ont construit cette chapelle en reconnaissance. Une route où on entend des moteurs. Mais on est à Buzenol. En fait, j'étais arrivé du côté opposé. Là. Ouais, là face au bois. Mais il me restait 8 km et c'est un peu risqué pour atteindre, il y a 3 jours, Virton, dans les heures où je comptais avoir un train. Comme je me suis posé à Virton, j'ai fait le chemin en sens inverse. Jusqu'à cet endroit-ci, les images que l'on a vues donc viennent de Virton. Maintenant, je vais reparcourir le chemin en sens inverse entre les abords de Buzenol et Virton.